Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Oui, on est en nail. Si vous avez vu le dernier nail, c'est la revanche. On est toujours avec Galaxy contre Gobo Cube des EasyDAC. Et je voulais démarrer 10 secondes avant le début. Et voilà que notre début est dans une minute. Donc, le plan, ça va être, vu que j'ai un peu jouer avec eux, je sais qu'ils sont pas particulièrement bons en ce jeu. Donc le premier plan, ça va être de prendre un stuff de base, de monter dans le château et d'essayer de casser les éponges. Je garantis pas que ça va marcher. Donc si j'y arrive pas, je reprends un stuff mieux. Donc si ça marche pas, je prends un gros stuff. Je sais plus quoi. Viens, plus que 19. À 19, on sort. Ouais, j'avais compris. Enfin, oui, je connais le jeu, je veux dire. Et si ça marche pas, je reviendrai avec de la TNT. Ou alors je prendrai l'Under Pearl. Je pense qu'il y a moyen de les avoir facilement sans même stuff cheater. C'est pour ça que je vais prendre pas de stuff cheater, tout simplement. Donc un arc frappe, les autres sont puissance. Je traduis au cas où vous ne alors on va les aider. Heal et sur votre muraille dans un coffre. Bon, donc mon arc de la partie que j'ai faite juste avant. On va tout laisser ou on prend une épée? Oh non, on peut épée quoi d'ailleurs? J'ai pas. Je sais même pas ce que c'est. Sur le mur du château. Je te dis pas, bah si, ils sont tellement, tellement, bah tellement que. Il y a encore une stratégie, c'est de prendre la pioche. Alors. Ils étaient pas mauvais côté PVP par contre. Ils ont mis la lave par contre. Et un arc recul. Bon. J'ai eu tellement peur, je vous avoue. Ah mince, je suis un peu bête. Je pensais que je pouvais passer en nageant, mais il semblerait que non. Alors pareil, on ouvre la trappe, ce sera mieux. On va repasser avec les mêmes techniques, hein. Je devrais même mettre des lianes. Ce serait plus rapide. Alors, ils ne passeront pas pour m'embêter. S'ils ont mis la lave. Oh, ils ont mis la lave. Il y a du monde. Ah, ça aurait été trop facile.
Non, c'est trop facile, on peut pas. Sinon j'en casse qu'une. Allez, on va se donner plus de challenge. Bon, vous êtes témoin au moins. J'ai sciemment décidé de les épargner. J'ai cassé une des éponges. On va dire que pour casser la deuxième, il faut que j'y retourne. On va prendre une bonne épée. Alors, on est reparti. Ça aurait été peut-être la première partie que je gagnais en moins de 5 minutes. Non, ça faisait peut-être plus déjà plus que 5 minutes, je sais plus. Là, si j'avais un arc recul, il était mort. C'est dommage pour moi. Oh, ils ont des steaks cuits, c'est trop bien pour la régène ça. Help Ah bah. Pas faux, j'ai bloqué mon propre futur chemin. Il va où lui? Pourquoi il va si haut? J'ai de la terre, on pourrait utiliser notre terre sinon. Faut prendre du stuff. Go cube. Alors je nage à moitié, c'est un peu buggé. Non, c'est complètement buggé. Va faire comme ça. Voilà, j'en avais marre. Il n'y arrive pas? Bon, on va l'aider. Hop. Je sais où il y en a, trop tard. Bon, ils sont pas très bons, c'est dommage. Mais bon, qu'est-ce que j'y peux? Oh, il y a des spawners! Spawners à squelette. Histoire de pourrir les attaquants. Je vais rarement au-dessus des arbres. Bah, j'espère que cette partie vous a plu et on se retrouve bientôt pour un prochain nail ou un prochain n'importe quoi. Voilà, si jamais vous aimez les nails, vous aimerez sûrement aussi les towers si vous avez déjà tout vu. Sinon, je vous invite à voir ceux que j'ai publiés précédemment. Et peut-être Ball of Street, il faut miner diamant. Bon, voilà, je fais de la pub pour mes vidéos.